Bonjour, je me nomme Sou Eli, joueur de Sol FC, milieu défensif, international burkinabé. Moi, je me nomme Sou Elize, milieu offensif. Pour leur seconde saison en Ligue 1 ivoirienne, les jumeaux Sou nourrissent de grandes ambitions et pour y arriver, il faut nécessairement passer par la case entraînement. Allez, c'est fait, comme toi, regarde. Ils ont presque le même niveau. Et tactiquement, Elize, lui, tactiquement, il a le dessus. Parce que nos séances sont faites à base tactique. On met beaucoup d'accent sur la tactique. Les jumeaux, c'est notre équipier. On avait du mal en tout cas à les reconnaître lors de la première journée. Voilà, parce qu'il faut dire que bon, nous, comme on l'appelle, les cafards. on dit comme ça que c'est les cafards qui se ressemblent plus. Non, nous, c'est les cafards qu'on les appelle. Lui, c'est Sou Eli. Lui, c'est Sou Elize. Moi, c'est Elize. Ah, ok, lui, c'est Elize. Lui, c'est Sou Eli. Pour être aussi performant, Eli et Elize bénéficient d'un encadrement familial très large à découvrir. Mais avant, une escale s'impose là où tout a débuté. Eli, dans la vraie vie, est un homme qui aime beaucoup s'amuser, beaucoup souriant, et qui s'énerve parfois très vite. Voilà. Il n'aime pas marcher sur ses mots. Quand quelque chose ne va pas, il dit ça ne va pas. C'est ce qui me plaît chez lui. Ce que je peux dire de mon frère, voilà, c'est un gars qui est très simple, qui est très rigoureux. Et puis il y a beaucoup possessif aussi. Ce qu'il veut là, il fait tout pour l'obtenir. Je me vois en train de jouer dans un autre club parce qu'on a plusieurs fois parlé de ça. On aimerait s'affronter l'un contre l'autre. Bonjour. Moi, je suis content de vous voir. Ndoga. Mon fils. Allez, c'est ce qu'on voulait. Que ça soit plus professionnel, mais c'est toujours c'est Dieu. Voilà, c'est ce qu'il a dit ce matin. Hein. C'est de là que toi a commencé. Si aujourd'hui vous vous rappelez que c'est ce que vous commencez, que vous voulez qu'on soit dans votre interview, là. C'est déjà un grand pas. Et puis aux yeux de tout le monde aussi, c'est déjà bien. Vous êtes la fête du centre, vous êtes en première division là-bas, vous donnez tout. Alors en tout cas, vraiment, ça fait un grand plaisir de vous voir jouer. Donc le championnat, c'est pour bientôt. On vous souhaite que le meilleur. Ouais, merci mon frère, merci. Moi, j'étais un peu caché, parce qu'ils se cachaient pour faire. Ils ont eu la complicité avec leur maman et leur grand frère Emmanuel. Mais maintenant, comme c'est sorti, on les encourage. Les deux ont décidé de se donner signe. Tu vois, sur son bras, tu as vu, c'est lui qui a pris fer pour brûler son frère. Fer a repassé, c'était sur la table, il passait, puis il a poussé. Lui aussi, il lui a donné signe. On a allumé bois. Il dit, tu m'as blessé, non, attends. On a cru que c'est amusement, il a mis le bois là. Il a piqué. On met un chariot au feu. On attend. Voilà. On n'est jamais découragé. C'est ça. C'est ça. Dieu va mettre sa main comme ça. Amen. Amen. Celle-ci. Il n'y a pas deux. Voilà. Oui. C'est ça. Ok. Bon, merci beaucoup. André, c'est la foudre qui nous a rendu. Zamo et Del, qui se partagent bien plus que la naissance, sont racontés par leurs proches. Lui, quand il dit qu'il veut faire quelque chose, tu vas monter, tu vas descendre. Tu vas faire. Et puis quand son frère dit non, on ne peut pas conseiller, le pousse. Et il laisse parler. Laisse-le parler. C'est lui. Quand sa tête coigne, il revient son frère. Il revient son frère pour dire ah, vous avez raison. Non. Pour intégrer l'équipe nationale, un, il faut avoir déjà le talent. Ça, c'est la base, quoi. Si tu n'as pas le talent, je pense que non, tu ne peux pas arriver à ce niveau-là. Et lorsque j'ai vu mon petit, sur le terrain, mon petit, c'est que là où tu es arrivé, là, c'est parce que tu as mérité. Quand nous sommes en train de poser, à chaque moment, quand il demande, il me dit qu'il est en train de partir à la maison, ou soit il s'en va l'entraînement. Il ne m'a jamais dit que je suis en train de sortir. Il y a deux trucs, mais je suis en train de partir à la maison, ou soit il m'en va à l'entraînement.
C'est au terrain où se joue le tien-tien que nos hôtes du jour vont prendre congé de nous. Bon, les jumeaux d'État des Ghanois, on ne les connaît pas trop, mais on a beaucoup attendu par eux deux, puis on a beaucoup suivi aussi les matchs. Voilà. Les jumeaux se font face contre, contre des jumeaux. Ça va vraiment faire plaisir au public et puis ça va nous faire plaisir aussi de pouvoir montrer le meilleur de nous-mêmes. Il faut passer derrière le poteau là. On n'a vraiment pas de vie sur le terrain. Quand Balen va les taper maintenant, c'est venu par ici. On vous remercie d'avoir passé la journée avec nous. Donc on va se dire à plus. Au revoir.